Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Attendez, je vais voir si je m'entends. Alors, coucou, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, bonjour. Ah, attendez. Oui, vous m'entendez? Ok, est-ce que vous me voyez? C'est bon, je vois que je suis en direct sur YouTube. Hello! Est-ce que vous me voyez bien? Yes! Ok! Bonjour tout le monde, comment ça va? Hey, ça fait quoi? 2 semaines qu'on s'est pas vu, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Bonjour! Hello, hello, hello! Ah, attendez, je vais me couper sur YouTube, sur mon ordinateur, voilà. Bon! Et j'ai vu qu'il y a des albinis qui se sont terminés. Bravo tout le monde. J'ai vu qu'il y a des gens qui sont venus me voir avec leur albini, vraiment trop beau. Hello, hello, vraiment bravo, bravo à tout le monde. Et puis ben, c'est une nouvelle étape, on commence le Amarelle. Alors peut-être que vous avez vu, ceux qui sont dans le groupe Facebook, que Gabrielle Vézina, la designer, nous a rejoint. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions sur le patron si vous en avez. Donc voilà, pour la petite histoire en fait, notamment pour les Français, Gabrielle Vézina, eh bien c'est une créatrice montréalaise. Donc vous allez tricoter avec nous un patron de chez nous, un patron québécois. Donc c'est ça. Hélène me dit on t'entend en double. Est-ce que vous m'entendez en double? Je vois que tout à l'heure j'avais mon YouTube pour vérifier que tout fonctionne bien, mais ça devrait être correct. Donc voilà, donc c'est un produit local que vous allez consommer pendant les 12 semaines qui vont venir. J'ai commencé, je vous l'avais déjà montré commencer, je suis en amour total avec ce patron. Pas sur Facebook, normalement vous devez me voir, tout est beau. Ok, génial. Donc voilà, je suis en amour avec ce magnifique patron de cardigan qui commence par l'encolure. Vous voyez, j'en suis rendue, j'ai travaillé un peu trop tard hier soir d'ailleurs. Et voilà, je commence à dessiner les petites feuilles de mon amarelle. Alors, pour la petite histoire, amarelle, ça veut dire, c'est un petit fruit en fait, et vous verrez que ce patron représente des feuilles et ces petits fruits en fait, c'est pour ça. Donc tout fonctionne correctement. L'homme de ma vie demande si tu le vois. Non, je le vois pas, Anne. Donc ben, bonjour tout le monde. Pour les Français, bonjour. Alors je vois que tout le monde nous dit en France qu'ils ont du beau temps. Eh bien à Montréal, il fait mauvais, il fait 1 degré, il fait gris, bref. Pour nous, ça y est, c'est le printemps, nous pouvons sortir en bikini. Avant de commencer, j'ai vécu une expérience ce matin. Comment dire, une expérience à la Charles Dickens. Alors, pour ceux qui connaissent le Noël de Monsieur Scrooge, que ça soit la version avec les Muppets ou la version avec le film, je pense que vous voyez de quoi je veux dire, d'accord? Donc, je suis, voilà, je suis avec mon amarelle et je me rends compte qu'il me reste très très peu de laine, donc je suis à la recherche des pelotes qui restent et je fouille dans mon placard. Et je tombe sur un premier sac. Regarde dans le sac. Je fais... Oh! Ça, c'est le Snow Forest de Midori Rose que j'avais commencé il y a quelques mois. Je fais, oh, non, c'est pas là, mais ça me rappelle que, zut, j'ai un pull en partance. Et là, je fais, oh, mais il y a aussi ça qui est une magnifique tuque en cachemire que j'avais commencé, genre, oups, ok, bon, ok, c'est pas dans ce sac-là. D'accord, regarde dans un deuxième sac. Ça doit être là-dedans. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je me rappelle, c'est un châle que j'avais commencé, mais non, je vais pas dans ce sac. Oh zut, alors, prends un autre sac. Ah, ça doit être dans celui-là. Oh oui, j'avais oublié celui-là. Oh, c'est un magnifique cumulus de petites nites. À qui il manque les deux manches? Non, c'est pas dans ce sac-là. Prends un autre sac. Bon, il va être là, oui ou non? Et là, je fais, ah oui, je me rappelle, ça devait être un sweater number 14, quelque chose comme ça, de Darling Favorite. Super intéressante la construction.
C'est pas ça. Et ça, ah non, ça c'est un petit design que je voulais faire pour un top down. Non, c'est toujours pas ça. Donc, prends un énième sac. Enfin bref. J'ai regardé dans tous mes sacs. J'ai fini par trouver mes pelotes de laine, mais je me suis dit, je vais être hantée par les tricots non finis avec des petits bouts recroquevillés qui vont venir me mordre les doigts de pied, tous les cardigans sans manches, les une chaussette ou les chaussettes sans talons. Et je me suis dit, oh, je vais vivre un Noël de Monsieur Scrooge. Ça va être les tricots hantés qui arrivent me voir. Donc voilà, je me suis sentie un petit peu mal. Et puis dans ces cas-là, vous savez, quand on est un peu stressé, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Ravelry, d'accord? Comme moi, je vais sur Ravelry, ça me fait du bien. Et là, je vois ce petit cardigan. Je fais, oh, waouh, il est trop beau. Je suis sûre que ça va me déstresser si je commence à monter les mailles pour un nouveau projet. Donc en fait, j'ai une idée pour mon projet de retraite, puisque j'ai reçu évidemment le petit mot de Retraite Québec qui me dit que je vais être très très pauvre quand je vais être à la retraite. Je vais monter un bed and breakfast qui va s'appeler comme, je sais pas, le purgatoire ou la maille finale. Et ça va être un bed and breakfast où la seule chose que les gens pourront faire, c'est des retraites tricot pour terminer leur tricot. Voilà, hein. Donc voilà. Alors, est-ce que je suis déjà mieux avec la douleur à mon bras? En fait, c'était à ma main. J'ai commencé à avoir un syndrome du tunnel carpien. Et puis, écoute, ça va vraiment beaucoup mieux. Je fais attention. Et puis, j'ai eu quelque chose qui m'a vraiment aidé à guérir. J'ai appelé un chirurgien de la main, en fait, dans une clinique privée pour être prise rapidement. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour, j'ai vraiment besoin que quelqu'un me voie tout de suite. J'ai mal à la main, puis c'est mon métier. Oui, bien sûr, le docteur Brutus pourrait vous prendre. Il est chirurgien de la main, mais je vous préviens, c'est 395 $. Oh, ok, mais bon, ok, c'est mon métier, il faut... Oui, oui, et puis pour la chirurgie, ça fera 6 000. Attendez, avant qu'il m'ouvre, j'aimerais... Ouais, bah attendez, je pense que ma main va aller beaucoup mieux. Donc, ma main va beaucoup mieux. Voilà. Donc, Diane qui dit, j'apporterai mon stone cutter au bed and breakfast. Voilà. Donc voilà, je pense que ça va être mon idée de retraite. Un bed and breakfast qui sera uniquement destiné aux tricoteuses et tricoteurs qui veulent finir un projet. Voilà. Donc voilà, ça va beaucoup mieux. Allez, c'était ma petite histoire du matin. C'était tellement drôle. Écoutez, je savais pas que j'avais autant de sacs. Je vis dans un déni, je pense, assez profond. Je pensais pas que j'avais autant de sacs qui m'attendaient dans la garde-robe avec tous ces projets non terminés. Heureusement que je vous ai, ça me permet de terminer au moins mes projets de cours. Voilà. Alors... le Amarelle, on s'en reparle quand même, donc il y a beaucoup de tailles. Comment est-ce que vous faites pour choisir votre taille? On s'en était un petit peu parlé, mais au cas où, il y a encore des questions. Comment est-ce que je choisis ma taille? C'est une aisance qu'on vous conseille quand même assez proche de votre tour de poitrine, puisque ça va permettre vraiment au niveau de l'encolure, donc du yoke, du cardigan, de vraiment bien s'ouvrir au niveau de la dentelle, donc avec une aisance qui peut être de 0 à 20 cm selon votre goût. Je vous conseillerais de regarder aussi les photos des projets sur Ravelry, ça va vous donner une bonne idée. Donc voilà, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à la taille avant que j'aille un petit peu plus loin? Je vais regarder s'il y a des questions, je continue un peu plus loin. Donc au niveau de l'échantillon, alors oui, j'ai 41, je choisis 37. Attends, j'ai 41, j'ai choisi 37. Est-ce que c'est mieux de prendre 39, me demande Élise. Oui, je te conseille plutôt de prendre 39. Si je fais un 46 de tour de poitrine, est-ce que je peux prendre la grandeur 49 avec une aisance de 8 pouces? Alors, si tu es 46, tu prends 49, ça te fait 3 pouces d'aisance de poitrine. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal.
Je vois que mon idée de bed and breakfast fait fureur. Bon, je sais exactement ce que je vais faire pour ma retraite. Ça va être extraordinaire. Donc oui, prenez quand même assez proche. Moi, j'ai voulu faire un échantillon et pas compris. D'accord, on va voir ça. Juste pour ma taille au niveau du ventre. Ok. Ok, ok. Moi, j'ai 104, je pense faire le 100, me dit Linda. Donc, Linda, si tu fais 104 et que tu penses faire le 100, ça veut dire que ça pourrait être pas mal. Alors, attention. Peut-être que vous n'avez pas vu ce que c'est en petit caractère sur le côté. Dans les dimensions finales, vous remarquerez que c'est la dimension du cardigan qui exclut la bande de boutonnage. Donc ça veut dire que la bande de boutonnage, la petite bande sur le côté, ça ne va pas vous rajouter énormément. Hein. On s'entend que ça va vous rajouter peut-être un 2 cm, mais ça, c'est un 2 cm à rajouter. Ok ? Alors, Martine, mon ventre pose problème. Ok, donc dans ces cas-là, c'est pareil. Dans ces cas-là, on regarde notre physionomie. Hein. Est-ce que si on est étroit de poitrine, mais qu'au niveau des hanches ou du ventre, on est plus large, ça peut être intéressant dans ces cas-là de le prendre plus large au niveau du haut. D'accord ? Oui, dans la mesure finale, il est écrit que ça ne comprend pas la bande de boutonnage. Je pense que c'est ce que je viens de dire, Hélène. Ou alors, je me suis mêlée. Mais oui, la mesure finale ne comprend pas la bande de boutonnage. Donc, il faut que vous compreniez que si vous prenez, par exemple, 88 cm de tour de poitrine, ça fera au total 90. Si j'ai 90, je dois prendre 88 ou 94? Je te conseille le 94, Nicole. Ok. Oui, et puis souvent, on a tendance, et c'est vrai, comme dit Linda, à travailler un petit peu plus large par rapport entre notre échantillon et quand on travaille sur des plus grandes surfaces, on a tendance à travailler un peu plus large. J'ai 94, je prends 100. Donc si tu as 94, oui, prends 100. Prends quand même la taille au-dessus. Encore une fois, ça dépend un petit peu ce que vous voulez. Si vous prenez, par exemple, vous êtes 94, vous prenez la taille 94... D'accord, ça veut dire que ça va être vraiment proche du corps au niveau de la poitrine, mais après ça dépend de votre physionomie. Hein. Si vous avez une taille fine, eh bien ça va pas vous mouler le corps. D'accord, ça va être un peu plus, ça va avoir de l'aisance autour de la taille. Encore une fois, c'est un top-down, donc vous allez pouvoir regarder aussi. Au moment où vous allez séparer les manches du corps, on va pouvoir l'essayer sur nous et puis on va pouvoir décider si on veut continuer un petit peu plus loin ou pas. D'accord ? Vous n'oubliez pas que vous allez pouvoir jouer là-dessus. Si vous avez un tour de poitrine plus mince et puis le bas du corps plus large que le tour de poitrine, vous pourrez penser peut-être à rajouter après la taille, d'accord ? Donc après le petit creux qui se fait quand on se dandine comme ça, vous allez pouvoir rajouter des augmentations par exemple. Alors il va falloir faire attention parce qu'on a une petite bande de boutonnage avec un multiple au niveau des dessins en dessous, mais ça peut être intéressant de voir pour rajouter un petit peu au niveau des hanches, hein, pour avoir plus une forme de sablier, mais on gardera en tête le fait qu'il va falloir retomber sur nos pattes pour avoir le bon multiple pour les motifs en bas. Mais c'est pas non plus la mer à boire, hein, c'est pas une grande charte, c'est pas un grand multiple, donc c'est tout à fait possible, d'accord ? Élise dit tout dépend de la choix de la laine, si elle s'étire ou pas. Oui, tout à fait, mais ça normalement vous allez le voir au blocage, d'accord ? Je vous conseille d'avoir une laine qui soit pas trop rigide quand même et une laine qui ne soit pas trop grosse. Ne forcez pas une laine qui, par exemple, une laine qui était en 18 mailles, amenez-la en 20 mailles. Et parce que ça va être un peu raide, puis vous avez de la dentelle, vous voulez une certaine souplesse. Et surtout, moi je m'en suis rendu compte dans les nopes. Les nopes, donc les petits fruits là qu'on va rajouter.
Si vous tricotez serré une grosse laine, vous allez vraiment avoir du mal avec les nopes. On va peut-être les faire un petit peu plus petites dans ces cas-là, mais faites attention avec ça, d'accord? Bon, encore une fois, vous aurez le choix de pouvoir continuer un petit peu s'il y a besoin. Il faut comprendre aussi que dans ce magnifique cardigan, ce n'est pas des augmentations raglan typiques ou des augmentations de yoke typiques. C'est vraiment des augmentations qui arrivent à l'intérieur de la charte. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, puis on va voir la charte, vous allez voir, c'est absolument passionnant. Regardez, on a donc la charte qui est ici et on commence. Vous voyez ces parties sombres? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment je lis ça? Eh bien, en fait, vous ne le lisez pas puisque cela, c'est des mailles qui n'existent pas. Et si vous regardez les petits ronds qui représentent des jetés, donc des augmentations, eh bien, on augmente au fur et à mesure jusqu'à arriver à un certain nombre de mailles ici, un nombre total. Donc, les augmentations se font vraiment à l'intérieur même de la charte. Ce n'est pas comme des augmentations de raglan type albini, d'accord? Quelle grandeur est-ce que je fais pour moi? Eh bien, je fais la deuxième taille. Je fais la grandeur 88. Attends, je vais regarder si c'est ça. Oui, je fais la grandeur 88. Pourquoi? Parce que je fais 88 cm de tour de poitrine. Qu'avec les boutonnages, eh bien, ça va me faire un pull à 90 cm et que je le veux assez près du corps. Si je souhaite un fil coton et lin, quel pourcentage de lin devrais-je avoir pour fixer la dentelle? Écoute, au moins entre 40 et 50% Diane, ça sera pas mal pour bien fixer la dentelle. Donc faites attention hein, de ne pas avoir une laine qui soit trop grosse. Un diqué, donc une laine moyenne, légère, sera quand même un bon choix à l'intérieur de ce pull-là. Véronique, j'ai un échantillon OK de 32 rangs au lieu de 26 rangs sur un échantillon en jersey avec la Ulysse. Cela ne risquerait-il pas d'être gênant pour le yoke en dentelle? Alors oui, ça te fait quand même une différence de 6 rangs. Donc ce que tu vas faire, c'est que il va falloir que tu sois sûr d'arriver à la bonne longueur au moment où tu vas séparer les manches du corps. Donc dans ces cas-là, tu pourras faire quelques rangs supplémentaires. Donc ne t'inquiète pas trop. Avec la Patagonia 3,75, 22 mailles avec 4 mm, 20. Est-ce que j'y vais avec les 4 mm? Daniel, oui, vas-y avec les 4 mm. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que vous devez avoir bloqué, hein, lavé et bloqué vos échantillons. C'est très important. Mon échantillon fait 19 mailles en 4,5. Est-ce que je change d'aiguille? Brigitte, je te conseille de passer sur des 4 mm parce que, comme je le disais auparavant, on a plus tendance à tricoter souple sur des grandes surfaces et qu'avec avec la largeur du tricot et tout, quand tu vas bloquer, ça va plus s'agrandir que ça va rapetissir. Donc tu risques plus, si tu restes avec tes 4,5, de te retrouver avec un échantillon de 18 mailles au final, donc ça va faire un saut de 2 mailles, c'est énorme. J'ai 92 de buste. Est-ce que je suis mieux avec 94 ou 100? J'aime quand même un peu d'aisance. Eh bien Marie-Ève, si tu préfères avoir un peu d'aisance, n'hésite pas à passer aux 100 cm. Salut Florence, j'ai choisi un fil fingering merino cachemire et mohair et soie. Mon échantillon est de 24 mailles. Oh non non non. Mais j'adore cette laine avec une aiguille plus grosse. Le rendu est trop détendu ou trop là. Je souhaite donc garder les 3,75. J'ai choisi la taille 3 pour l'albini. Est-ce que je peux faire la taille 8? Il faut monter 220. Mailles. Ok, donc ça, il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça, c'est-à-dire qu'ils ont choisi une laine et puis c'est pas, disons que le rendu ne leur plaît pas dans l'échantillon proposé par le patron, donc ils se demandent s'ils peuvent un petit peu jouer en faisant des tailles plus grandes. Attention, il y a toujours des petits risques à ce niveau-là parce que les manches souvent sont un petit peu plus grandes, les longueurs sont un petit peu plus grandes, donc c'est tout à fait, on peut jouer comme ça, d'accord? Je ne peux pas par contre vous garantir que vous allez, ça va bien se passer, ok? Mais Florence, oui, tu peux partir avec le 221 mailles. Okay. Encore une fois, j'espère vraiment que ton échantillon a été bien bloqué.
Donc tu peux partir avec le 221 mailles et en restant extrêmement, faire très très attention, d'accord, à tes longueurs et puis à bien l'essayer au fur et à mesure, d'accord? Alors, si je souhaite en faire un deuxième... Attends, Martine, est-ce que j'ai shooté que... j'ai de la... Oh, regarde, mais elle est très fine pour en faire un final de prendre de fil. Est-ce que c'est possible de l'utiliser pour de la 10K? Ah, ça, c'est aussi une super bonne question. Souvent, les gens me demandent, ok, si je prends de laine, est-ce que ça va me faire une grosseur 10K et tout? Alors, j'ai un bon petit truc pour vous, je vais vous montrer. Vous savez que... ou vous ne savez pas, peut-être que j'ai beaucoup de monde qui nous rejoignent ici, puis qui n'ont pas trop l'habitude, notamment des catégorisations anglophones. Donc, hop, il est où mon petit stylo? J'avais un petit peu. Ok, donc des catégorisations anglophones. Eh bien, dans le monde anglophone du tricot, nous fonctionnons avec ce qu'on appelle le weight system, donc le système de poids. Alors là, vous allez me dire, le système de poids, mais elles font toutes 100 grammes, par exemple, mes écheveaux. Eh bien non, c'est plutôt le rapport entre le métrage et le poids pour nous donner une idée de l'échantillon et de la grosseur de la laine. Donc c'est une catégorisation par rapport au métrage, par rapport au poids, d'accord ? Donc, et par rapport à l'échantillon, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de catégories. On commence avec le cobweb. Cobweb qui veut dire toile d'araignée, qui est vraiment un fil qui est très fin, qui peut être au niveau de l'échantillon, qui peut nous donner du 40-42 mailles au 10 cm, qui ressemble vraiment à du fil à coudre. Et puis, ça passe ensuite au lace, donc la laine à dentelle, on est 36-38 mailles. Fingering, donc vous avez le light fingering, donc très très fin, qui va être un 36-32 mailles, puis le fingering type laine à chaussettes, qui va être le 32 mailles, etc. Et toutes ces laines-là, grosso modo, ont un certain métrage au poids. Donc pour vous donner une idée, alors c'est un grosso modo, c'est une approximation, indiqué comme celui qu'on utilise, fait approximativement 230 mètres au 100 grammes. Donc ça, c'est pour le diqué. Ok, pour les worsted, pour les laines worsted, ça fait approximativement 200 mètres au 100 grammes. Alors, évidemment, on s'est déjà parlé, les woolen spoon viennent un petit peu être les chiens dans le jeu de quilles parce que comme elles ont beaucoup d'air à l'intérieur, elles ont plus de métrage. Donc, elles peuvent un petit peu nous confondre par rapport à ça, mais grosso modo, ok, on va sur du grosso modo. Le hareng fait à peu près donc 180 mètres au 100 grammes. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle du weight system? Parce que si, par exemple, vous avez une laine fingering qui fait 400 mètres au 100 grammes. Si je la double, d'accord, donc si je replie le fil, eh bien au lieu d'avoir 400 mètres au 100 grammes, je le divise par 2, je me retrouve à avoir 200 mètres au 100 grammes. Donc ça me permet de dire, ok, avec 200 mètres au 100 grammes, je suis dans quelle catégorie? Eh bien, je suis dans la catégorie worsted et non pas diqué. Si j'ai plutôt un fil qui fait, allons-y, 500 mètres au 100 grammes, hein, donc c'est vraiment un light fingering, type les mérinos de Knitting for Olive, eh bien je me retrouve avec un 250 mètres au 100 grammes, eh bien là j'arrive plus dans la catégorie du diqué. D'accord? Je ne sais pas si ça peut vous aider un petit peu, mais voilà. Ça peut vous donner en tout cas une première idée. Autre chose... Ah, Diane, elle dit, ah oui, merci beaucoup. Diane, elle vous a mis le petit lien sur Facebook, dans le groupe Facebook, sur la grosseur de fil, le blog qu'on avait fait. Donc, ça peut vous donner une idée, puis évidemment, le verdict final vous est donné par le fameux échantillon. Sylvie, avec les 3,75, il me manque une maille. Il te manque une maille, c'est-à-dire que tu arrives à 19 mailles au lieu de 20 mailles, donc tu fais, mais tu aimes le rendu. Est-ce que je fais une taille plus grande? S'il te manque une maille, Sylvie, ça dépend si tu me dis que tu fais 21 mailles ou si tu fais 19 mailles. 19 mailles, c'est-à-dire qu'il faut serrer un peu. 21 mailles, c'est que c'est un petit peu plus petit. Donc tu pourrais faire une maille une taille plus grande. Est-ce que les nobs, on peut faire en droit envers à la place... Attends Linda, on parlera des nobs quand on y sera, d'accord?
Est-ce possible que le jersey soit en 4,5 mm et la dentelle soit en 3,5? Est-ce que c'est une trop grande différence? Alors, moi je t'avoue, l'échantillon, d'accord, elle nous dit qu'il doit faire 20 mailles et 26 rangs en jersey et en dentelle. Moi, j'ai fait juste l'échantillon en jersey, peut-être qu'elle va me taper sur les doigts. Mais c'est que la dentelle, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bloquer, d'accord? Donc ça, normalement, quand ça va être bloqué, ça va être bien étiré comme ceci. Puis, ça peut être difficile à lire parce que, tu vois, ma dentelle, si c'est cette partie-là où il y a moins de jetés ou cette partie-ci où il y a beaucoup de jetés, je vais avoir des échantillons différents. Donc, je ne me suis pas embêtée, je suis restée avec les mêmes aiguilles, d'accord? Alors, si ta hold garn fait 700 mètres au 100 grammes, 350 mètres, tu restes dans du fingerling, t'es pas encore dans du diké, Martine. Nathalie, tu as 21 mailles avec la Gilliatt. La Gilliatt, c'est quand même une grosse laine, d'accord? C'est presque plus un hareng qu'une worsted. Il faut que tu la détendes, Nathalie. Il faut absolument que tu la montes au moins à 20 mailles, ok? Sylvie, si tu as 19 mailles au lieu de 20. Alors ça, c'est encore une excellente question. Vous voyez, ça c'est une compréhension encore de l'échantillon qui est très importante. Donc je reviens dessus, ok? Donc, vous avez 19 mailles pour 10 cm et l'échantillon vous en demande 20 mailles au 10 cm. Donc, il faut imaginer que votre aiguille, c'est comme un moule à cupcake. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que sur 10 cm, on veut que vous ayez 20 cupcakes. D'accord? Je pourrais en faire 20, mais c'est juste pour vous donner une idée. Ok, donc j'ai 20 cupcakes ici qui doivent être aux 10 cm. Et le moule qu'a pris la designer, c'était du 3,75 mm. Vous, vous tricotez beaucoup plus souplement. Ce qui fait que sur les 10 cm, vos cupcakes, eh bien, ils sont plus gros. D'accord? Parce que vous avez, voilà, vous tricotez plus lâche ou votre laine est un peu plus grosse, d'accord? Donc vous n'arrivez pas à en caser 20. Parce que comme c'est plus gros, vous, tout ce que vous arrivez à caser, c'est 19. Donc à votre avis, qu'est-ce que vous allez devoir faire pour pouvoir en rentrer une de plus? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour rentrer une maille de plus sur ma réglette de 10 cm. Est-ce que vous allez prendre une aiguille encore plus grosse? Et là, vos cupcakes sont tellement gros. Ou est-ce que vous allez prendre une aiguille plus petite pour pouvoir faire de la place à la 20e? Donc attention, si vous avez 19 mailles au lieu de 20, c'est que vous avez besoin de prendre une aiguille plus petite, d'accord? Il faut que vous rétrécissiez un petit peu les mailles. Donc Sylvie, surtout, tu ne peux pas prendre une aiguille plus grande parce que si c'est ce que tu fais, au lieu d'avoir 19 mailles ce que tu as, tu vas en avoir 18. Donc non, tu dois prendre, voilà, vous avez compris, on va prendre une aiguille plus petite, c'est important, d'accord? Donc Sylvie, vraiment, pas 19, pas, tu prends pas une aiguille, une taille encore plus grande, tu prends une aiguille plus petite d'une demi-taille, d'accord? Voilà. Voilà, est-ce que c'est un petit peu plus clair? Je sais que ça vous confuse parce que, ok, c'est trop grand, alors il faut que je prenne du plus petit, c'est trop petit, alors il faut que je prenne du plus grand. Mais pensez au cupcake, d'accord? Voilà. Louise, j'ai 21,5 mailles, donc presque 22 avec 3,75 sur la Flaxon. J'ai fait 39. Alors, normalement, Louise, je vais te dire, passe au 4 mm. Et puis, plutôt que de faire la 39 de tour de poitrine, je te conseillerais de 39 pouces, je te conseillerais de passer au 41,75. Voilà. Nancy, t'as répondu d'ailleurs...
Pour Martine, la Holzgarn, attention, elle gonfle beaucoup, donc vérifie ton échantillon bloqué, d'accord? Donc, je vous ai donné cette idée de weight system, de système de poids métrage, mais nos fameux woolen spoon, donc, de façon, là, je grosso modo, de façon de traiter la laine, soit en woolen spoon, soit en worsted spoon, donc la façon de la filer, dans le woolen, on trappe beaucoup d'air, donc ça fait des fils légers et on a un gros métrage. Mais ça reste des échantillons de diquet et tout. Alors que la worsted, elle est beaucoup plus peignée. Et c'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs la laine peignée, c'est de la laine worsted. Et donc, on se retrouve plus dans le weight system. D'accord ? Alors donc, attention, s'il vous plaît, votre échantillon, c'est votre boussole à l'intérieur de votre tricot. D'accord ? Donc, ok. N'oubliez pas que vous allez l'essayer, ce pull-là, au fur et à mesure. Donc ça, c'est très important. Je continue un petit peu. N'hésitez pas à me poser encore des questions, d'accord? Ok. Ensuite, alors, je reviens là-dessus. C'est juste qu'il y a tellement de particularités. Hein. La laine, c'est pas des Legos, des petites briques. En plastique qui ont toutes les mêmes particularités. Hein, la laine, selon même le type de laine que vous allez utiliser, végétale ou protéinique, selon le filage qui va être utilisé, woolen ou worsted, selon la composition donc, voilà, dont on s'était dit, donc il va y avoir beaucoup d'options. C'est pour ça que l'échantillon, si vous passez à côté, c'est problématique. Et après ça, évidemment, il y a une connaissance un petit peu de sa garde-robe, dans quoi est-ce qu'on va être à l'aise par rapport à l'aisance. Et dernièrement, il y a un peu comment le patron, lui, comment est-ce qu'il devient le plus joli possible, porté, serré ou pas, d'accord ? Avec le weight system, comment déterminer la grosseur si l'on prend un fingering et un mohair au lieu de doubler notre fil? Ah ben voilà, on est à nouveau dans les particularités. Le mohair, c'est un petit peu la bête noire du weight system parce que il peut varier. Ce petit fil mince comme tout peut se tricoter aussi bien avec du 3 mm que nous donner quelque chose de magnifique avec du 6 mm. Donc là, c'est l'échantillon qui va te permettre d'essayer un petit peu, d'accord? Ok, allez, je continue un peu parce que c'est un très et passionnant sujet, mais un sujet qui pourrait nous prendre encore jusqu'à la fin de l'avant-midi. Ok, donc on choisit notre taille, on a choisi notre laine. Je vous déconseille l'acrylique. Pourquoi ? Parce que au niveau de la dentelle, ça va vraiment moins bien bloquer. Si vraiment vous êtes en amour total avec un bel acrylique, essayez d'être sûr qu'il y a au moins un pourcentage de laine pour avoir quelque chose qui va bien bloquer, d'accord ? Ensuite, on va avoir besoin de quoi? Donc vous allez avoir besoin des aiguilles, et ce n'est pas les aiguilles du patron, hein, c'est une indication. La personne vous dit, moi j'ai pris ma laine, avec les aiguilles 3,75, j'ai réussi à avoir l'échantillon nécessaire et c'est comme ça que j'ai calculé mon patron. Et là, ça, je le vois souvent en magasin, et c'est normal parce qu'il faut bien commencer quelque part. Les gens arrivent, bon je vais prendre la laine et les aiguilles qui sont demandées. On le sait pertinemment, vous n'êtes pas forcément comme la designer, vous prenez peut-être une laine différente, donc ce n'est pas des 3,75 peut-être qu'il va vous falloir, peut-être que c'est des 3,5, peut-être que c'est des 4,5. Donc attention à ça, d'où l'avantage d'avoir des kits. Comme ça, on peut tout essayer. Ensuite, il va vous falloir un anneau marqueur. Moi, je vous conseillerais même plus d'anneaux marqueurs. Si c'est la première fois que vous faites de la dentelle, si vous êtes comme moi et quand vous voyez un papillon, pouf, ça y est, votre attention est partie, je vous conseille fortement d'avoir une grande quantité d'anneaux repères puisque nous allons les placer dans, à chaque motif qui vont se répéter. Cela va vous permettre de venir réparer vos erreurs là où il y a eu l'erreur et non pas en décalant tout un rang. Et là, il faut défaire. Et là, vous allez voir avec les nopes et tous les mailles torses, vous allez détester défaire, je peux vous le promettre. Donc, bon investissement, vraiment un pot d'anneaux repères.
bon truc, j'ai réussi à mettre la main sur un lot d'anneaux repères, des boîtes, il y en a 300 dedans pour 12,50 $. Tapez anneaux repères sur le site de la maison tricotée, mais vous allez voir, surtout si vous faites beaucoup de châles, c'est un très bon investissement. Donc, un anneau repère, oui, mais si vous êtes débutant, si vous avez besoin d'avoir un petit peu des repères à l'intérieur de votre tricot, pas un anneau repère, plein d'anneaux repères, d'accord ? Très important. Aiguille à laine, mais ça c'est une évidence, hein, on va rentrer les fils. Hein. Des boutons, on s'en était parlé, donc j'ai plein de gens qui sont venus à Angus acheter les boutons, top, top, top. Attention, n'oubliez pas quand même que moi j'ai toujours tendance à dire achetez les boutons en dernier, c'est un peu votre récompense à la fin, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les essayer directement dans les boutonnières. Au pire, de toute façon, on peut faire un petit point avec, avec du fil pour les rétrécir, mais si vous avez choisi de magnifiques boutons et que vos boutonnières sont trop petites, ça c'est problématique. Encore une fois, on l'a vu avec le Albini, on pourra faire le One Row Buttonhole, donc le fait de créer vraiment le trou du bouton tel que l'on le veut. D'accord ? Ça, c'est pas trop dramatique, vraiment. Donc, voilà. Et puis, des petits anneaux marqueurs ouverts pour indiquer l'emplacement des boutons. Voilà, soit ça, soit simplement un petit bout de fil coloré de laine et votre aiguille, et vous allez pouvoir faire le rentrer juste pour montrer où est-ce que vous allez mettre les boutons. Ça, pas forcément obligatoire, ok, c'est pas grave. Vous pouvez aussi tout à fait, comment dire, investir, qu'est-ce que je voulais dire, on va travailler évidemment avec une grille. Vous avez l'application Knit Companion, qui est une application gratuite. Je ne l'utilise pas parce que j'ai une tablette, mais c'est une très bonne application si justement vous êtes sur une tablette, vous pouvez télécharger le patron et vous pouvez barrer les rangs que vous êtes en train de faire. Donc je vais juste vous l'écrire. Donc ça s'appelle Knit Companion. Alors me demandez pas comment ça fonctionne, puisque j'espère que je ne fais pas d'erreur quand je l'écris. Je pense que c'est ça. J'espère que c'est ça. Donc, je ne sais pas comment elle fonctionne. Je pense qu'elle est assez user-friendly. Mais c'est une bonne façon de pouvoir suivre sa grille au fur et à mesure. Sinon, la bonne vieille photocopie, puis on raye avec le crayon. Et puis, vous pouvez aussi utiliser un compteur de rang. Martine, j'en veux une boîte. Oui, oui. Mais écoute, ils sont vraiment bien. 300 anneaux repères dans 3 tailles différentes. Ils sont top momo. Quelle laine j'ai choisi pour mon... j'ai choisi la Luma. Un magnifique mélange coton, soie, lin et laine mérinos. Je me suis gâtée. Je me suis payée la traite. Voilà. Donc, c'est... Ah, merci. C'est Knit Companion. Alors, voilà. Je les faisais un petit peu phonétique. C'est Knit Companion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Knit Companion. Voilà. Dani, elle dit, moi, je ne marche qu'avec ça. C'est très bien le Knit Companion. Ah ben alors, non, Companion. J'avais raison. Bon, allez, je suis sûre que vous allez trouver avec l'une ou l'autre des orthographes. Ok. Donc, on y va. C'est ça que vous allez avoir besoin. En un seul mot. Voilà. Parfait. Allez, on démarre. Maintenant, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, puisque vous allez voir, on a quand même de la job, mais on le sait, les premiers cours, eh bien, c'est les plus longs, c'est ceux qui nous demandent un petit peu plus de choses à fixer, à mettre en place par rapport aux autres. Et c'est ceux que j'adore. Ok, c'est parti. Donc, vous avez choisi une des tailles qui vous était proposée. Un petit truc que j'ai, moi je vais vous donner tous mes petits trucs, parce que c'est pas, vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous allez avoir du fun, peut-être moins dans les nopes, mais le résultat en vaut la peine, d'accord ? Donc, oups, viens là toi. Ok. Ah, excusez-moi, on va... Ah, voilà, fixer la petite caméra. Ok, on est là. Donc, je vous donne mes petits trucs, surtout si c'est un de vos premiers pulls.
vous voyez, il y a marqué montée et là, il y a tout un choix de 89 à 134 mailles. Évidemment, cela représente toutes les tailles possibles. Donc, si vous faites la première taille, vous montez 89 mailles. Si vous faites la plus grande taille, vous en montez 134, etc. Histoire de ne pas se mélanger les bonbons, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, vous prenez un crayon à papier, un stylo, ce que vous voulez, mais vous entourez votre... vous allez commencer votre patron avant de vous lancer, vous entourez ce qui vous correspond. Je vous promets que ça évite de commencer avec une taille et d'enchaîner sur les explications d'une autre taille. Donc voilà, je monte santé, je suis la troisième taille par exemple, j'entoure là, je sais que je vais ensuite travailler 58, quoi ? 58 rangs selon le diagramme 1-1-1, selon le diagramme 1. Et oui, pour l'encolure, eh bien, nous avons 4 diagrammes qui correspondent en fait aux tailles qui sont ici. Donc, selon la taille, vous voyez, je fais la dernière taille, moi je vais travailler avec le diagramme 4, je suis la première taille, je travaille avec le diagramme 1. Donc, très important, ok. Et je sais que le nombre de mailles que je vais avoir quand j'aurai terminé ces 58 rangs, eh bien, ça sera 325 mailles. Ok ? Et quand j'aurai terminé, eh bien, il me restera à tricoter. Eh bien, si je fais les trois premières tailles, je ne fais aucun rang en jersey. Je vais séparer directement le corps des manches, après l'avoir essayé, évidemment. Mais si je fais par exemple la quatrième taille, eh bien je sais que j'ai 4 rangs de jersey avant de passer à la séparation du corps des manches, d'accord ? Donc ne vous inquiétez pas s'il y a un zéro pour vous, ça veut dire que vous skippez cette étape-là, vous n'avez aucun rang à faire, vous passez ici. Si par contre, par exemple, vous faites la plus grande taille, une fois que vous avez tricoté les 86 rangs du diagramme 4, il vous reste à faire 2 rangs en jersey. Donc, cette façon, quelque part, de préparer votre patron va vous aider. Déjà, vous êtes obligé de le lire, ça va vous faire du bien. Hein, on devrait toujours lire son patron avant de se lancer, ok. Mais ça va aussi vous permettre de clarifier, parce que c'est vrai que c'est un... Comme tout patron de tricot, il s'adresse à de nombreuses tailles et ça va vous permettre de réduire vraiment à votre taille. Ok, donc ça c'est très très important. Ok, donc on monte nos mailles. Alors elle nous laisse le choix du montage. Personnellement, j'ai fait un long tail cast on. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, allez rendez-vous sur la chaîne YouTube à Initiation au tricot avec une couverture, le carré numéro 1, on va vous le montrer. Donc je vous montre le fini que ça me donne. Voilà, c'est un long tail cast on, donc c'est un montage qui fait comme une petite chaînette en haut. Je l'aime bien, sachant qu'en plus on va venir remonter les mailles pour la bordure. Donc ça va être super facile à remonter mes mailles dans la bordure qui est ici. Donc c'est ça. Si vous préférez, vous pourrez commencer avec un autre montage si vous le préférez autrement. Ensuite, une fois que vous avez monté vos mailles, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Eh bien, attention, rang initial, il est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc, on monte nos mailles et après ça, on fait un rang envers. Première chose. Après ça, c'est parti, tagada zoin, on va faire le nombre de rangs indiqués selon le diagramme indiqué. Donc, le diagramme, à quoi il ressemble? Et surtout, comment est-ce qu'on va se le manger, ce petit éléphant? Eh bien, bien sûr, on va se le manger un dimanche à la fois. Je ne vais pas vous dire, et on se retrouve dimanche prochain, et vous aurez terminé les 58 à 86 rangs. Là, je ne vais pas être méchante comme ça, puisque même moi, j'aurai du mal. Donc, je vais vous proposer de le couper en... Il y a quand même pas mal de mailles. Qu'est-ce que vous en dites? Ce petit yoke, qu'on se le coupe en 2 ou 3 semaines, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Donc, Élise, le premier rang après avoir monté les mailles, d'accord, c'est un rang envers, c'est pas un rang en droit. Ok, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous vous sentez de le faire en 2 semaines ou plutôt 3? Martine, elle me dit, je fais le montage German machin chose.
Martine, ok, tu peux, mais je te conseillerais plutôt d'aller sur un long tail, ça sera plus facile de remonter tes mailles. Voilà, moi je c'est comme vous voulez, moi j'ai pris de l'avance, hein, donc je suis là. Moi je suis déjà au rang 33 et je dois aller jusqu'au rang 57. Je vais vous dire une chose en plus tout de suite les amis, hein, c'est que les NOP, les rangs avec les NOP, c'est des longs rangs. Comme je vous dis, c'est pas les moments les plus agréables, hein, c'est pas les moments les plus sympas, personnellement, que j'ai trouvé, mais ça vaut vraiment le coup et c'est des rangs qui sont très longs. Sinon, le reste des rangs sont vraiment genre easy going, mais quand on tombe sur... ils sont pas partout les NOP, d'accord? Ils interviennent, comme vous pouvez le voir, ils vont intervenir de manière sporadique. Hein, là, j'en ai eu un peu, là, ils vont réintervenir, sinon, ça va être assez simple. Mais quand ils sont là, les rangs sont longs. Eh bien, écoutez, je vois une majorité de 3 semaines. Eh bien, dans ces cas-là, on va donc diviser la partie en 3 semaines. C'est dit, adjugé, vendu. On le fait en 3 semaines. Ça va nous laisser un petit peu plus de temps. Surtout, il faut penser aux gens aussi qui font des grandes tailles. Ils se retrouvent quand même avec beaucoup plus de mailles à tricoter. Donc, on va se donner du loose et de la respiration. Ça va être très, très bien, d'accord? Et merci Diane qui dit aussi pour donner du temps aux nouvelles, et elle a bien raison, merci Diane, je propose en 3 parties parce que la première fois que j'ai fait de la dentelle, eh ben, j'ai fait beaucoup d'essais et erreurs, et elle a bien raison, merci Diane, voilà, c'est la cerise sur mon jeu, sur notre adjugé vendu, on passe donc à 3 semaines. Ok, donc maintenant on va regarder un petit peu mieux notre diagramme. Alors comme je vous disais, il y a... selon les tailles, 3 diagrammes. Moi, je fais la taille, la 2, donc je suis en diagramme 1. Mais vous voyez, selon les tailles, vous avez le diagramme 2. Et puis ici, vous avez le diagramme 3 et le diagramme 4. Comme vous voyez, il y a plus de rangs, c'est normal, hein, puisque c'est toute la partie encolure, la partie poitrine. Alors, pour la petite anecdote, et puis vous me connaissez avec mon sens du sacrifice, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé avec le diagramme 1, puis ma petite tablette merveilleuse, j'ai agrandi, puis j'ai encore agrandi, et je me suis retrouvée, ni vue ni connue, voilà. Non, c'est pas ça que je veux faire, attendez. Voilà, ok. Donc, j'ai agrandi, agrandis-toi. Voilà, et sans que je m'en rende compte, eh bien, j'ai fait une grosse partie du diagramme 2. Oui, je m'en suis rendu compte au rang 26. Donc, un petit bidouillage et tout était rentré dans l'ordre. Mais faites très attention, quitte peut-être à découper le diagramme qui vous concerne et à l'agrandir, je ne sais pas. Peut-être que vous n'êtes pas aussi distraite que moi. Moi, franchement, je pense que je peux être dans le livre des records. Donc voilà, faites comme vous voulez, mais faites attention. Alors, qu'est-ce qui se passe si je n'aime pas les NOP? Eh bien, vous pouvez tout à fait ne pas les faire. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, d'accord? Tu peux ne pas les faire, ça deviendra juste des mailles en droit. Si tu veux te donner un petit peu une avis... Tu peux faire une petite portion de la dentelle où normalement il y a des nopes et puis regarder ce que ça donne. Je pense qu'il y en a qui parmi vous qui l'ont fait d'ailleurs, le petit échantillon sans nopes. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez bien aimé le rendu? D'accord? Donc vous pouvez nous le dire, mais ne t'inquiète pas, si vraiment les nopes, c'est pas, t'as pas envie de passer par ça, évidemment... ne t'embête pas, puis ne les fais pas, d'accord? Donc, on va passer maintenant à la lecture de notre diagramme. Allez, hop, agrandis-toi. Qu'est-ce que l'on va voir? Ben, vous allez voir que ce n'est pas vraiment, quelque chose de très compliqué, vraiment, mais il faut bien comprendre, puisqu'il y a des petits pièges qui peuvent vous attendre. Donc, regardez bien. On n'oublie pas, on travaille en aller-retour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rangs 1, par exemple, eh bien, c'est des rangs en droit qui vont se lire de droite à gauche.
Et les rangs 2, regardez bien où sont placés les chiffres. Les chiffres sont placés à gauche. Eh bien, c'est toujours le sens de la lecture. Donc, si j'ai le chiffre 1 ici, c'est que je dois le lire de droite à gauche. Et le chiffre là, je dois lire ma charte de gauche à droite. D'accord ? Donc, on suit le sens de la lecture en regardant où les chiffres sont placés. C'est super important. Maintenant, vous voyez clairement qu'il y a une grande ligne noire qui est placée ici, qui fait comme une boîte. Et vous avez à droite et à gauche, eh bien, un cadre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, vous avez monté au départ entre 58 et 86 mailles et pourtant, il n'y en a que 25 qui sont écrites ici. Pourquoi ? Eh bien, nous allons répéter les rangs 3 à 22 un certain nombre de fois. D'accord, c'est notre motif. Et puis, vous allez avoir une bordure. Donc, la bordure, si c'était par exemple une bordure en point mousse ou quoi que ce soit, eh bien, c'est ces deux premiers rangs-là à droite et ces trois derniers rangs à gauche. Alors, ça veut dire quoi? On va faire un petit dessin. J'espère que je vais pouvoir être claire avec ça. Ok. Donc, imaginons. Là, j'ai les deux premières mailles de bordure. Ensuite, j'ai un motif ici qui me donne, et on va imaginer, voilà, ça me donne un petit motif qui me donne une petite fleur. Je vais répéter toujours ce qu'il y a dans la boîte, toujours, jusqu'à ce que j'arrive aux trois dernières mailles qui, elles, eh bien, ça sera les explications qui sont en dehors du cadre. Donc, ce qui est dans la boîte, c'est ce que je répète. Et puis, les mailles qui sont à droite, je ne les fais qu'une fois. C'est le cadre, quelque part, de mon pull à droite. Et les mailles qui sont à gauche de la boîte, je ne les fais qu'une fois à gauche. Donc, si on regarde bien... Oups, oulalala, ne t'en va pas toi. Voilà. Si on regarde bien, par exemple, je n'ai pas terminé. J'étais sur un rang de nope hier soir, à minuit passé. Je me suis dit, c'est terminé, faut que tu t'arrêtes, Céline. Voilà, si vous regardez bien... Vous voyez le motif, par exemple, là, il est très visible puisque j'ai ce petit bouquet de petits fruits, de petits amarelles. Vous voyez, donc, ça, c'est la boîte. Elle se répète 1, 2, 3, etc. Donc, ça se répète, le motif se répète partout, sauf qu'au début, voilà, au début, ben, j'ai deux mailles à l'endroit. Et puis, à la fin, c'est pareil. J'ai aussi... Voilà, à la fin, j'ai aussi quelques mailles en dehors. Donc, il faut vraiment penser que quand je lis ici mon diagramme, je commence par deux mailles en droit, puis après, je vais lire. Ça va faire 1, 2 mailles à l'endroit. Là, il ne se passe rien. Ceci, c'est des mailles non existantes, d'accord? Donc, imaginez, on va faire une petite tête de mort dessus, voilà. Il n'y a personne ici, d'accord? Vous ne lisez pas. Ça fait deux mailles en droit. Puis après, ces deux mailles en droit, j'en tricote 3, puis 1. Quand j'arrive ici, c'est ma boîte. S'il me reste encore plein de mailles, eh bien, je recommence du début. Et ça me fait donc 2 en droit, 3 en droit, 1. Et je recommence jusqu'à ce que j'arrive aux 3 dernières mailles. On va passer sur un motif. Par exemple ici, sur le rang 7. Je commence, ça fait 2 mailles en droit. Après, ça c'est une nope, maille en droit. Jeté, torse envers, torse, jeté, maille en droit. J'arrive ici, il me reste plus que 3 mailles avant la fin. Ça veut dire que je recommence ma lecture à partir de la droite. Nope, maille en droit, tagadagada, et je recommence. Nope, maille en droit, voilà, d'accord? Donc, le sens de la lecture, d'accord, c'est vraiment, je lis tout ce qui se passe ici. Quand j'arrive à... la ligne grasse, je reviens et je recommence. Donc, ma lecture est toujours une lecture circulaire, comme ça. Hein, je reviens toujours à mon point de départ, jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles à la fin. Et je termine par nope et tout ça. Ok ? Je vais revenir après sur les symboles et comment on les tricote. Ne vous inquiétez pas. Donc, faites très attention. Personnellement, évidemment, je me suis à nouveau trompée. Moi, mon problème, c'est pas de pas savoir le tricot, c'est l'inattention. Je n'ai pas fait attention. Qu'est-ce que j'ai fait vraiment tout au début, eh bien, j'ai pas regardé qu'il y avait une maille ici. J'ai pas fait attention. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je n'ai pas fait attention.
J'allais dire, il s'appelle Roman. Excusez-moi. Donc, c'est ça. Donc, ça fait... j'avais fait 1, 2, 3, 4, 5. Reviens ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est quand je suis arrivée ici pour faire mon bouquet de nopes que je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème et tout était décalé. J'ai recommencé. Donc, faites bien attention à la lecture de votre boîte. Vous devez faire attention à ce qu'il y a, toutes les mailles qu'il y a ici, jusque-là. Et en vous disant que là, voilà, c'est un lac de néant, il n'y a rien. Alors, Anne dit qu'elle a fait les échantillons avec son nop et avec les nopes. Elle a dit qu'elle fera les nopes juste sous la feuille, mais pas les suivantes. Et qu'elle a fait qu'elle a mis une photo dans ce lac. Merci beaucoup. J'ai oublié la référence de ta tablette, c'est une Remarkable avec un K. Où sont les augmentations intercalaires? Je ne les vois pas sur le diagramme parce qu'il n'y en a pas. Ok. Est-ce que cette histoire de lecture de boîte, avant que je passe à la lecture des symboles et comment on les fait, est-ce que vous me suivez là-dessus? Et Marie-Claude, il n'y a pas d'augmentation intercalaire. Pourquoi? Je l'ai expliqué au début, comment est-ce que ça grandit. Oui, j'ai compris, trop bien. Top. Ok. Pour tout le monde, on est d'accord, c'est compris cette histoire de boîte et cette répétition et de faire attention. Vraiment, faites attention, s'il vous plaît. Regardez bien ce qu'il y a après le rien. Comment on choisit son diagramme? Comment on choisit son diagramme, Nathalie? Eh bien, tu choisis ton diagramme selon ta taille. Regarde, c'est écrit ici. Regarde, elle va te dire, dans l'empiècement, travailler X rang selon le diagramme. Et regarde, là, le diagramme, c'est selon la taille que tu as choisi. Donc, première taille, tu fais le diagramme 1. Dernière taille, tu fais le diagramme 4. Si tu es une taille parmi ici, tu fais le diagramme 2. D'accord? Donc Nathalie, ça dépend absolument de ta taille. Super. Ok, on continue. Donc, la premier symbole qui nous tombe dessus, c'est lequel? Eh bien, ça y est, c'est le bonheur. Nous allons commencer à faire une nope. Alors, je vais vous le montrer sur mon propre tricot. J'ai fait exprès de m'arrêter cette nuit, juste pour vous montrer comment faire une nope, si je ne suis pas généreuse. Hein. Ok. Je vais vous le montrer sur plus grand aussi, mais je pense que... Ok, donc comment est-ce qu'on fait une nope? Donc là, je suis rendue à noper. On commence, on met le fil devant. Ça va se passer dans la maille qui est ici. Alors, c'est parti. Je commence, je vais tricoter cette maille-là à l'envers et je ne la lâche pas. Après ça, je vais placer le fil derrière. Et je vais venir tricoter la maille torse. Donc, ça veut dire que je viens tricoter la maille endroit, mais dans le fil de derrière. Et je la tricote à l'endroit. Je fais attention, il ne va pas falloir que je tricote serré parce que je vais répéter ça encore 3 fois. Et oui, elle va subir l'écartèlement. Donc, je recommence. Je remets le fil devant et je retricote encore une fois cette maille-là. Donc, je fais une maille à l'envers. Hop, j'étire un peu et je remets le fil derrière et je vais tricoter une maille à l'endroit. Torse. Okidou. J'étire un petit peu. Allez, il y en a encore 2 à caser. Je remets le fil devant. Je fais une maille à l'envers. Allez, on peut encore. Et allez, c'est la dernière. On ne peut plus en faire après ça. Et je remets le fil derrière et je tricote une maille à l'endroit. Donc, j'ai répété 3 fois dans la même maille, une maille envers, une maille en droit torse. Écoutez, la petite dernière est bien serrée. Maintenant que j'ai ça, je vais faire quoi? Eh bien, je vais rabattre l'une après l'autre les 5 mailles par-dessus la dernière maille qui a été montée. Donc, c'est parti. 1, 2. Bien, là ma cocotte.
Donc, vous voyez, je tire bien mon fil pour être sûr que tout le monde ne débarque pas. 3, 4. Donc, c'est une affaire de patience, les nopes, définitivement. C'est une petite affaire de patience. Et voilà, ma petite boule est terminée. Je resserre un peu. Et c'est ça. Je vais en refaire une. Attendez, je vais suivre mon diagramme avant de faire une bêtise. Donc, j'étais là. Je dois faire... Ok, donc... Je vais vous en refaire une un peu plus loin. Hop. Je resserre... Ah, excuse-moi. Après avoir travaillé la nope, la prochaine maille en droit, je vais la serrer un peu pour être sûr que ma nope apparaisse bien sur l'endroit et qu'elle ne se cache pas sur l'envers. D'accord ? Donc, deux mailles en droit. Jeter, maille en droit. Je vais vous en refaire une un petit peu plus loin. Je vais juste avancer jusqu'au bon moment. Ok, on y est. Alors, on recommence. Ça va être l'endroit où je vais devoir faire ma nope. Donc, première chose que je fais, je mets le fil devant et je commence. Je vais tricoter une maille envers, une maille en droit torse. 3 fois au total, donc faire 6 mailles dans la maille qui est ici. Donc je commence par une maille envers, je ne lâche pas la maille, je passe le fil derrière et je vais faire une maille en droit. Alors j'essaye d'être le plus souple possible. C'est là où je vous dis que vous voulez pas avoir une trop grosse laine pour ce travail là puisque vous voulez vraiment évitez de vous battre avec la laine quand vous faites ça. Donc, allez, la petite dernière dans le brin de derrière, voilà. Allez, voilà. Donc, une fois que j'ai fait les 6 mailles au total, je tiens bien mon fil et je vais rabattre 5 mailles par-dessus la première qui a été montée. Donc j'ai monté 6 mailles à partir de une, mais au final, eh bien, je reviens à une maille. Donc il n'y a pas une augmentation, il n'y a que une petite nope qui a été créée. Voilà. Et je resserre, je tricote la maille suivante et je vais serrer un peu la maille suivante pour être sûr que ma nope reste du bon côté de mon tricot. Voilà. Voilà mes petites nopes qui sont faites. Donc, vraiment, en fait, les nopes sont longues. Elles sont longues à faire, hein, puisque c'est vraiment, je fais 6 pas en avant, puis j'en refais 5 en arrière, donc c'est un peu long à faire. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas constellé de nopes, ce n'est pas un pull popcorn, comme on dit. C'est vraiment, elles interviennent à certains moments, et elles vont vraiment apporter une texture qui va être super intéressante au tricot, si vous avez envie de partir avec les nopes. Encore une fois, vous pouvez décider de ne pas les faire aussi, ou comme a fait Anne, de ne les faire qu'à certaines parties où vous les trouvez plus intéressantes. Ça, c'est vraiment vous qui le décidez. Est-ce que mes nopes sont dures? Elles sont dures. Regarde. Attends, hop. Elles sont dures. Tu vois, si elles étaient... Non, elles sont plutôt dures, mes nopes. Mais bon, après ça, je sais... Pouette, pouette. Non, elles sont plutôt dures. Alors, il y a des mailles intercalaires sur le diagramme 3 et 4. Tu vois, j'ai pas regardé, diagramme 3 et 4. Oui, je vois, tu as raison. Je me suis intéressée qu'au premier diagramme, mais je vois que tu as une augmentation intercalaire gauche sur le rang 3 du diagramme 3 et 4. Oui, je te remercie. Je vais le montrer dans ces cas-là, juste pour être sûr si c'est pas clair pour tout le monde. Merci beaucoup, André.
Merci, merci. Est-ce qu'on pourrait faire les nopes avec 4 mailles au lieu de 6 mailles? Eh bien, écoute, attends, je vais prendre mon petit... Je vais prendre mon petit... Voilà. Qu'est-ce que ça va faire comme différence? À vous de voir. Faites un petit échantillon toujours. Hein, c'est la clé, ça s'appelle l'échantillon. On sait que c'est notre boussole. Qu'est-ce qui se passe? Alors, par exemple, je vais faire une nope à 4. Donc, oups, je mets le fil devant. Ok, donc je fais une maille en fer. Je vais derrière. Une maille en droit torse, donc dans le brin de derrière. Je reviens devant. Une maille en vert, je vais derrière, une maille en droit torse. Donc, j'ai monté 4 mailles et non 6. Et donc, au lieu de rabattre 5, je vais en rabattre 3. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Donc, regarde, ça me fait une petite nope cute comme tout, hein. Donc, si vous trouvez que c'est vraiment trop serré pour vous, la 5, la nope à 6, vous pouvez décider de faire une nope plus petite. Ça ne pose pas de problème. Simplement, s'il vous plaît, l'échantillonner pour vérifier que c'est vraiment la taille que vous voulez. Ok? Ça, c'est le plus important. Mais oui, c'est pas un problème. Ok? Faites un test. Super. Donc, Louise, hein, tu peux faire une nappe de 4 au lieu de 6, bien sûr, mais juste... fais-la sur ton échantillon pour vérifier qu'est-ce que tu préfères. Fais une nope à 6, fais une nope à 4 et puis donne-toi l'heure juste comme tu aurais envie de la voir. La première fois, me demande Dani, est-ce que je dois aller au bout et après la boîte? Non Dani, hop, la première fois que tu tricotes, c'est pas parce que c'est la première fois que tu dois faire le cadre. Faut pas oublier que les deux premières mailles ici, c'est le cadre de ton pull à droite et que les trois dernières, c'est le cadre de ton pull à gauche. Donc, tu ne peux pas, ok, tu ne peux pas aller jusqu'au bout ici et ensuite décider de faire ça. Hein, je veux que tu comprennes bien, ça c'est ton pull, ça c'est ton cadre, donc c'est les deux mailles à droite, ok, ici... C'est les trois mailles à gauche. Ils appellent aussi les mailles de symétrie. D'accord? Donc, et ici, c'est mon motif qui se répète. Donc, il n'y a pas de raison de faire un motif et ici, les trois mailles à gauche. Et après, de faire des motifs. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, très important, tu fais tes deux premières mailles, tu répètes ton motif et tu finis avec les trois mailles du cadre. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi, Dani, ok? Donc, est-ce que pour les nopes, donc n'hésitez pas, pourquoi ne pas essayer si vous trouvez que vraiment c'est l'enfer, que vous êtes en train de batailler avec cette nope-là, essayez de faire une nope à 4 et bien sûr, avant de le faire sur votre pull, peut-être faites-vous un petit échantillon avec votre laine pour être sûr, ok, peut-être que vous avez une laine qui a très peu d'élasticité, ce qui sera le cas notamment avec du coton, du soie et du lin. Dans ces cas-là, eh bien, vous allez sans doute préférer une nope à 4. Donc, faites votre petite tambouille de votre côté. N'hésitez pas à changer les choses. Un patron, ce n'est pas une obligation. Ok? Est-ce qu'on est ok pour les nopes, les amis? Testons, testons. Oui, Nathalie, on est d'accord. Est-ce que au niveau des nopes, on est bien? On est bien les amis? Tout est beau? Je continue, s'il y a un problème, on s'en reparle, d'accord? Maintenant, je veux juste qu'on soit très clair, surtout pour les nouvelles, hein, Diane avait raison, pensons à ceux qui nous rejoignent. D'ailleurs, faites-moi un petit coucou là, ceux qui nous rejoignent pour la première fois, parce que j'ai surtout vu des anciens. Il arrive quoi si on fait endroit envers au lieu de envers endroit sur les nopes? Je pense que ça ne doit pas être trop grave. Ça ne doit pas être trop grave, mais ne recommence pas. C'est ce que je vais te dire. Ok. Donc, maintenant, je veux qu'on ait une belle compréhension de notre chat, d'accord? Alors, on y va.
Donc, on se rappelle les mailles en droit, les rangs en droit, c'est les rangs impairs. 1, 3, 5, 7, etc. Et les rangs envers, c'est les rangs pairs. 2, 4, 6. Et nous avons donc une lecture qui nous est donnée par le chiffre. Donc, s'il est à droite, on est sur l'endroit. Si elle est à gauche, c'est un rang envers qui se lit de gauche à droite. À quoi correspond cette petite case-là? Eh bien, cette petite case-là, c'est une maille de jersey. Alors, les amis, le jersey, comment ça se tricote? Le jersey, ça se tricote comment? Sur l'endroit, on tricote quoi? On tricote à l'endroit. Et puis, sur l'envers, on tricote à l'envers. D'accord? Donc, la petite case, le petit carré blanc, eh bien, c'est un petit carré qui vous dit « fais du jersey ». Pas très compliqué, d'accord? Donc, si ce petit carré me dit « fais du jersey », eh bien, là, si je suis sur un rang 1, je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Et si je suis sur un rang 2, eh bien, je vais tricoter mes mailles à l'envers. D'accord? Rang 3, on a vu, donc, c'est un rang endroit, donc je fais tout à l'endroit, sauf, donc, ce petit signe, donc, qui ressemble à une prise électrique, ok, qui me dit « fais des nopes ». Donc, ok. Maintenant, on a un autre symbole qui arrive, qui est le point, ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit point-là? Alors, ce petit point-là, eh bien, veut nous dire « fais du jersey envers ». Alors, qu'est-ce que le jersey envers? On aurait pu l'appeler jersey inversé. Je pense que ça aurait plus parlé peut-être à nos esprits. Jersey inversé, facile. Ça veut dire que j'inverse ce que je devrais faire en jersey. Je suis sur un rang en droit. Eh bien, si je vois ce petit point, je vais faire une maille à l'envers. Je suis sur l'envers de mon travail. Eh bien, si je vois ce petit point, je vais faire de l'endroit. Donc, ce petit point vous dit, pense valeur négative. Pense à inverser ton jersey. D'accord? Donc, vraiment très simple. Hop là. Donc, je reprends. Petit carré blanc, c'est du jersey. Donc, ça veut dire que sur endroit, je fais des mailles endroit. Et que sur l'envers, je fais des mailles envers. Ok? Si dans mon carré, j'ai un point, c'est ma valeur négative, c'est du jersey envers. Donc, ça veut dire que sur l'endroit, au lieu de faire des mailles endroit, je fais des mailles envers. Et que quand je suis sur l'envers du tricot, hop là, je fais des mailles endroit. Et enfin, on avait la prise électrique qui est « nope ». Donc ça, c'est les trois premiers symboles qu'on a rencontrés. Tout le monde est OK là-dessus? Tout est beau? Ensuite, évidemment, nous avons le carré noir. Le carré noir, comme je vous ai dit, le carré noir, c'est une maille qui est pour l'instant dans les limbes et qui n'existe pas. Donc, on saute, on ne s'en occupe pas, on passe au prochain carré, d'accord? Carré noir, c'est les limbes. Ensuite, qu'est-ce que l'on va avoir? Évidemment, si vous voulez, surtout si vous êtes débutant et tout, je vous conseille, quand vous allez commencer, de mettre les nombreux anneaux repères dont je vous ai parlé. Ça veut dire qu'au rang 1, je fais deux mailles en droit, je vois la ligne là, je place un anneau repère. Je tricote toutes les mailles qui sont ici, j'ai fini le premier motif, je place un anneau repère et je recommence à partir de là. Donc, j'encadre le motif ici qui se répétera par des anneaux repères pour bien faire attention. Ok, donc on passe au rang suivant. Celui-là, j'ai nope, maille en droit et là, pouf, je me retrouve avec ce merveilleux petit symbole qui est un jeté, je vais vous le montrer. Et puis avec ce petit nœud qui est une maille en droit torse, puisque je suis sur l'endroit. Là, jersey inversé, donc si je suis sur l'endroit, je fais une maille envers. Maille torse, jeté et maille en droit. Ok, donc deux nouveaux symboles qui apparaissent. Nous avons tout d'abord le jeté. Donc, le jeté qui, en anglais,
qui s'appelle You Yarn Over the Needle, donc le fil qui va passer par-dessus l'aiguille, et on va voir qu'il y a deux manières de le tricoter selon que je suis devant une maille en doigt ou devant une maille en verre. Et enfin, nous avons le petit ruban qui est la maille torse. Et on va voir que sur l'endroit, c'est une maille torse en droit. Et que sur l'envers, eh bien, ça sera une maille torse envers. Une petite démonstration. Alors, le voilà. On va commencer par le fameux jeté qu'on a souvent vu, notamment dans nos autres tricots, surtout si vous avez fait avec moi le Pink Fees. Donc, on se rappelle que le jeté, si je vais avoir une maille en droit, le jeté, comment est-ce que je le crée? Je place le fil devant et je ramène le fil à l'arrière et ça y est, j'ai fait mon jeté. D'accord? C'est aussi simple que ça. Ça, et après ça, ben, si j'ai une maille en droit, je tricote la maille en droit. Voilà. Donc, le fil passe par-dessus mon aiguille. Donc, je le remontre pour faire un jeté qui va précéder, par exemple, une maille en droit. J'amène le fil devant et je le ramène vers l'arrière. Et voilà, cela m'a créé une nouvelle maille. Et après, je vais tricoter ce que l'on me demande de faire. Par exemple, une maille à l'endroit. Et cela va me créer donc une nouvelle maille qui va faire un jour. Si maintenant mon jeté va précéder une maille à l'envers, donc qu'est-ce qui se passe? Si j'amène mon fil devant et qu'après ça je fais une maille envers, on s'entend-tu que eh bien aucune maille ne s'est créée puisque ben, j'ai une maille envers et que le fil était devant. Donc qu'est-ce qui va se passer? J'amène le fil devant, d'accord. Après ça, en fait, je vais faire le tour de mon tricot. D'accord? Donc, j'ai amené le fil devant, mais pour qu'il reste par-dessus l'aiguille, pour qu'il reste ici, il va devoir faire un tour complet. Et après, je vais pouvoir faire ma maille envers. Donc, et là, je vais avoir pareillement mon jeté. Donc, si je veux faire un jeté qui précède une maille à l'envers, il va falloir que mon fil... il est devant et qui passe et qui fasse vraiment un tour complet de l'aiguille pour être sûr qu'il reste là. Et après, je fais ma maille à l'envers. D'accord? Donc, c'est ça pour le jeter. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la maille torse. Alors, vous allez voir, la maille torse, c'est pareil. C'est vraiment facile. Ce patron-là, vous allez voir, va vous demander un peu de concentration, mais c'est juste dans l'encolure. Après, ça va être très tranquille. Alors, comment est-ce que je fais une maille torse à l'endroit? Eh bien, c'est comme je vous ai montré tantôt pour la nope. Au lieu de tricoter ma maille endroit dans le brin de devant, je vais aller chercher le brin de derrière et je vais la tricoter à l'endroit. Cela va donc lui donner cette forme-là, qu'on a vu d'ailleurs sur le symbole, vous voyez qui est, voilà, qui est twisté à la base. Je vais vous la montrer maintenant, la maille torse, si je vais la tricoter à l'envers. Eh bien, c'est pareil, il va falloir que je vienne tricoter à l'envers dans le brin de derrière, donc mon fil est devant, et je vais venir maintenant prendre le petit fil de derrière, le brin de derrière, et je vais venir tricoter ma maille à l'envers. Mais je le tricote dans le brin de derrière. Je vais vous la refaire un petit peu plus loin que mes jetés. Ok, on est là. Donc, maille torse envers. J'amène mon fil devant. Et après ça, je viens prendre le fil de derrière pour tricoter ma maille à l'envers. Et voilà, j'ai une maille envers torse. Si je veux mettre des fils de sûreté, est-ce qu'il y a des particularités avec la dentelle? Non, vraiment pas. Ça va être la même chose. Donc, on regarde bien. Dans le rang 7, par exemple, je vais vous le tricoter, le rang 7, juste pour que
on soit juste pour que vous compreniez bien, d'accord? Hop, je vais juste sortir mes mailles et je vais vous tricoter le rang 7 pour être sûr qu'on a tous une bonne lecture de notre tricot. N'hésitez pas si vous avez des questions, même si vous avez l'impression que j'ai peut-être déjà abordé le sujet, ok? Donc, on s'occupe du rang 7. Donc, regardez. Le rang 7, je commencerai. Je ferai quoi? Je commencerai ici par deux mailles en droit. Une. Oups. Deux. Excusez-moi, je vais remettre mes mailles dans le bon sens parce que j'ai défait le tricot. Ok. Donc, j'ai tricoté à l'endroit une, deux. Une, deux. Là, commence mon motif, je place un anneau repère parce que je veux être sûre de ne pas trop m'emberler ficoter. Un anneau repère de la bonne taille, ça sera encore mieux. Allez, viens là, toi. Je place un premier anneau repère. Voilà. Donc, et j'y vais. Là, je fais ma nope. Donc, nope, j'amène mon fil devant. Hop, je détwiste mon fil. J'amène mon fil devant et j'y vais. Maille en vert. Fil derrière, maille en droit, et je répète encore deux autres fois, en vert, en droit, en vert, allez, et en droit. Et après ça, je rabats. Ok, donc j'ai fait ma nope. Après ça, je lis une maille en droit juste après. Ok, donc juste après ça, je vais faire une maille en droit et je vais la serrer pour être sûr que ma nope pop du bon côté. Après ça, jeter maille torse. Ok, donc j'amène mon fil devant. J'amène mon fil devant et là, je dois faire une maille torse à l'endroit. Donc, je vais venir tricoter après mon jeté, d'accord? Le jeté fil devant qui va derrière. Je vais venir faire une maille endroit dans le brin de derrière. Après ça, oh, c'est un petit point. Donc, c'est une maille de jersey inversée. Je suis sur l'endroit de mon travail, donc je tricote une maille en vert. Ok, après une maille en droit torse, ok, je remets mon fil derrière et je tricote une maille en droit torse. Après ça, jeter, rien et une maille en droit. Ok, donc jeter, une maille en droit. Ma boîte s'arrête, ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je place un autre anneau repère. Et je recommence à partir d'ici. Donc, je referai une nope, une maille en droit, etc. Donc, ça, c'est ce qui va se passer sur le rang 7, sur le rang en droit. Qu'est-ce qui va se passer sur le rang en vert? Sur le rang en vert, donc sur le rang 8, je commence ici puisque je vois que mon chiffre est là, je suis sur l'envers. Donc, là, je vois 1, 2, 3, 4. C'est des carrés blancs en jersey. Je suis sur l'envers. Parfait. Donc, je commence. Je fais 4 mailles en vert. 1, 2. Je vais glisser mes anneaux repères. 1, 2, 3 et 4. OK. Après ça, je vois un point. Je suis sur l'envers. Ça veut dire jersey inversé. Je fais une maille en droit. Après ça, qu'est-ce que je vois? Je vois une maille torse. Je suis sur l'envers. Il faut que ça soit une maille torse envers. Donc, j'amène mon fil devant et je vais venir tricoter ma maille envers dans le brin de derrière. Ok. Après ça, encore du jersey inversé. Donc là, je fais une maille en droit. Ensuite, maille envers torse, ok. Donc, je viens chercher le brin de derrière et je tricote à l'envers. Et puis, encore un petit point, donc ça veut dire une maille en droit. Et je vais terminer
par deux carrés blancs. Donc, ça veut dire que c'est du jersey. Donc, je terminerai par deux mailles en vert. Ok, une, deux. Et j'arriverai à mon anneau repère. Je le glisse et je continue. Donc, je suis arrivée ici. Je reprends au début de mon diagramme. Et je continue comme ça. Tiens, Kat me dit, j'ai un échantillon à 18 mailles en aiguille 3 pour la Luma. Oh pétard, soit 2 mailles d'écart. Soit, que fais-je? Eh bien, tu vas passer, c'est fou, mon Dieu. Tu tricotes souplement, Kat. Dans ces cas-là, il faut que tu passes aux 2,5. Oh, merci Martine qui dit, mettez des pouces en l'air, j'aime CVP, il y en a juste 22. C'est gentil, merci beaucoup. C'est trop adorable, merci beaucoup Martine. Merci, merci, merci. Est-ce que je suis claire? Est-ce que j'ai été claire là-dessus? Ce que je vais vous proposer, donc, après, c'est vraiment, vous allez voir, c'est vraiment tout ce que je vous ai expliqué, ça revient tout le temps, d'accord? Vraiment, ça revient tout le temps. Puis moi, je vais vous proposer qu'on s'arrête avant, ça va dépendre de quel diagramme vous faites, mais avant que interviennent les diminutions ici. Donc, vous vous arrêtez avant qu'interviennent les diminutions. Donc, vous allez voir ces diminutions-là, on va les voir dans les... viens là, toi. Ces diminutions-là, on les voit qui interviennent dans tous les diagrammes, d'accord? Que ce soit le diagramme 1, vous voyez, là, on voit qu'il y a une diminution. Donc, on s'arrête avant ce rang de diminution, si vous le voulez bien. Vous voyez, que ce soit dans le diagramme 1, 2, 3 ou 4. Voilà, on va mieux voir. Donc, on va s'arrêter au rang avant que commencent les petits slash comme ça pour les diminutions. Je vais juste montrer rapidement aussi, ou rapidement ou pas rapidement d'ailleurs, vous avez un petit arbre avec une branche qui part vers la gauche pour les diagrammes 3 et 4. Donc pour les tailles qui sont concernées, cela intervient juste au rang 3, d'accord, pour ceux qui vont faire les diagrammes 3 et 4. C'est une augmentation intercalaire gauche. Donc augmentation intercalaire gauche, ça mange quoi comme pain ce... cette bibite-là, je vais vous le montrer si vous l'avez encore jamais fait. Regardez bien. Attendez, je me rends un petit peu plus loin parce que là, j'ai bien bidouné dans cet échantillon. Ok, donc comment est-ce que je fais une augmentation intercalaire gauche? Je prends le fil intercalaire entre les deux mailles. Je vais venir le relever avec la pointe de mon aiguille de l'avant vers l'arrière. Un petit peu comme un gentleman qui soulève une branche. Voilà. Et ça me donne comme un jeté, en fait. Mais je vais le tricoter torse. Donc, je vais le tricoter dans le brin de derrière. Ça va me faire une maille de plus, sauf que ça ne va pas faire de trou. Ça ne va pas faire de jour. C'est les augmentations qu'on utilise, notamment quand on fait des... pouce de mitaine. Allez, je vous le refais ici. Donc, dans le fil intercalaire, je le relève de l'avant vers l'arrière. Ça me fait comme un jeté qui a une patte longue devant, une patte courte derrière et je viens toujours tricoter la patte courte qui est derrière. Voilà. Super, bon ben je suis heureuse si c'est clair pour vous. Hey, il est déjà 11h36, cool. Donc, je vous propose voilà, qu'on se rende jusque-là. Ça nous fait à peu près une vingtaine de rangs par taille. Je trouve que c'est quand même honnête
voilà, pour faire les échantillons, pour prendre des décisions éclairées, est-ce que j'ai pris la bonne laine, pas la bonne laine, est-ce que j'ai du fun, pas du fun, est-ce que je fais une nope à 4, 6, est-ce que je fais pas de nope, etc., etc. Donc, ça nous donne une vingtaine de rangs pour se retrouver dimanche prochain. Les deux questions qu'on me disait, c'est quoi ton châle autour du cou? C'est le dunas, un châle qui se fait avec du diké. Donc, dunas, D-U-N-A-S. Le dunas que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et oui, je porte le ranunculus parce que je voulais dire que... Mon beau ranunculus, voilà. Pour vous les dire que ça y est, j'ai ouvert enfin le cours de ranunculus de printemps. Je sais qu'on me l'avait beaucoup demandé. Donc, ça y est. Ça y est. Si vous dites que 20 rangs avec la marelle, vous allez le faire ce soir et que vous allez vous ennuyer. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous occuper, moi. Donc, j'ai ouvert le cours du ranunculus, il commencera le 6 mai. J'ai fait un tarif early bird de $99 jusqu'au 22 avril. J'ai fait une documentation de fou, je vous promets, ça m'a pris un après-midi entier pour mettre les métrages, puisqu'il y a 11 tailles maintenant dans le ranunculus. Et oui, elle a updaté son patron pour 11 tailles, vraiment cool. Donc, j'ai fait une magnifique documentation, même si vous avez déjà fait un ranunculus, mais que vous n'aviez pas vu encore ce truc des 11 tailles, vous pouvez aller télécharger gratuitement ma superbe documentation. J'ai mis les métrages pour les 11 tailles. J'ai mis évidemment toutes les laines qui me sont passées par la tête et qui seraient chouettes à faire pour ce ranunculus. Donc, j'ai fait une grosse documentation avec les quantités nécessaires et tout, donc vraiment cool. Et j'ai mis en vente voilà, le cours qui commencera le 6 mai, puis je vais faire très bientôt une petite vidéo question-réponse par rapport à ce patron qui est vraiment un patron extraordinaire. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, je commence à avoir très faim. Je vois mes tas de... Mes sacs entassé en bas qui me rappelle tous ces tricots que je vais devoir faire. My God. Je vous le dis, hein. On va faire un GoFundMe. Faites un bed and breakfast. Je vais faire ça dans quoi? 15 ans? Voilà. Je vais faire un GoFundMe. Je vais faire l'auberge des tricots non finis, c'est pas beau. Il va falloir que je trouve un... Mais ça va s'appeler l'auberge des tricots, truc mûche, je sais pas. Voilà, ça sera pour tous les tricots qui devraient... qui attendent enfin leur finalité. L'auberge des tricots... Bah. Allez, dites-moi si tout est beau pour vous. Pendant que je rêve à mon auberge... C'est une petite auberge anglaise avec un petit foyer, un petit salon cossu, avec des gros fauteuils moelleux. Ouais, il y aura des chats. Il va falloir que je dise attention si vous êtes allergique aux chats, prenez du Benadryl. Je sais pas, n'importe quoi. Il y aura du thé. Ouais, ça sera chouette. Donc tout est beau pour vous, je vois plus de messages, plus rien, est-ce que ça y est? Tout le monde est correct, tout le monde est... C'est bon, on va se laisser là? Est-ce que ma vidéo s'est arrêtée d'habitude? Je vous vois beaucoup plus. Ok, tout est beau, ok. Ah, je vois, voilà, d'accord, je vois là. L'auberge des tricots infinis, c'est beau ça. Je voyais plus le chat, là c'est beau. Les tricots oubliés, ah super. Ah voilà, je vous vois maintenant. Ok. Oui, je tricote la maille lisière, Linda. Très important. Oui, on pourra ajuster les boutonnières dynamiques. T'inquiète pas. Donc, non,
S'il vous plaît, tricotez-moi la maille lisière. On s'en fiche qu'elle soit bien glissée, bien nette. On s'en fiche, on viendra on va venir les relever, ces mailles-là, pour la bordure. Donc, on veut des mailles normales, d'accord? Ça veut dire que quand on finit de répéter la boîte, on finit les points restants avant de tourner pour l'autre rang. Tout à fait, France, c'est ça. Ok, bon, ben je vois ce que j'ai. Mon chat s'est arrêté, va savoir pourquoi. Ok, les tricots endormis, auberge des tricots perdus. Ah, les amis, on va faire quelque chose de beau, hein. Ok, merci encore et puis je vous souhaite une excellente, excellente fin de semaine. Ça a été un bonheur de vous retrouver. À bientôt, bye bye.